Alors, petite vidéo de présentation d'un album que j'ai fait dehors. Ce qui explique qu'il n'a pas la constitution d'un album normal parce que j'avais pas tout mon matériel avec moi et voilà. Je suis partie de ça. D'accord. C'est des enveloppes que j'avais trouvées très jolies, pourtant bleues, hein. Mais chez Action, métallisées avec les cartes qui vont avec. Vous avez 4 sortes de bleus différents et du coup les cartes avec, ce qui fait 8 au total. 4 bleus différents, 4 enveloppes différentes. 8. 2. Oh, 2 de 4 couleurs de bleu, ce qui fait 8. Ah ben, allez, on arrête. La fille est en vacances, son cerveau n'est plus capable d'expliquer un truc correctement. Et voilà ce que ça donne. Les enveloppes servent, donc c'est plus une pochette à photos qu'un mini album classique comme on entend. Hein. Donc j'ai fait un pompon. Là, je me suis amusée à remettre plein d'éléments en bois, des coquillages, une perle nacrée. J'ai beaucoup utilisé ces blocs-ci. Ah ben. Et alors voilà. Pour couper les roses des vents, pour couper ça, cet aspect. Alors, ça fait art déco, mais dans ce cadre-là, c'est l'aspect, ce qui me reste en noir. Peut-être pas sur celui-là. Écaille, en fait. Écaille de poisson. Voilà. Et donc, j'ai remis les bleus sur le noir pour. Pour habiller par endroit des écailles bleues. Voilà. Là en dessous, je vais vous expliquer. C'est encore une fois la seule erreur de l'album. En collant tous mes éléments et en fermant la pochette, je me suis aperçue que j'avais fait un trou avec de la colle chaude. Un petit trou dans le papier à cause de la roue qui avait de la colle chaude. Donc bon, bah voilà. J'ai recollé un truc écaille en dessous pour boucher, cacher le trou. Ça, c'est un énorme pompon que j'ai fait avec des perles Action. Là, il y a des petits kits bleus et tout ça. Donc ça, c'est ce genre de perles là, vous voyez. Bleu là. Donc j'ai fermé certaines par des coquillages. Là, c'est fermé par une perle. Et puis j'ai remis un truc rond qu'on avait comme ça, Action. Bouée de sauvetage, enfin vous voyez, j'ai fait un gros pendant, c'est ces perles bleues là qu'il y avait, bleu comme ça, enfin voilà, je trouve qu'elles sont intéressantes et qu'elles ont leur place là, et puis celle-là aussi que je trouve magnifique, elles sont blanches et bleues marbrées, donc voilà, et là j'ai mis un gros coquillage avec une perle, j'ai coincé le tout par de la colle chaude, et c'est ça qui fait le pompon qui ferme l'album. À l'intérieur, ça c'est le bloc, je suis en train de faire un gros album avec, mais comme j'étais dehors, j'avais pas envie de tout sortir et de faire le gros album dehors. C'est cette page-ci du bloc. Il me reste peut-être le pendant du. Voilà. J'ai fait une PL avec cette page. Donc voilà. J'ai mis le sable en bas. Et là, par derrière, on a la mer et tout ça. Et là, on peut remettre une photo à la rigueur. Même là, si on veut. Ouais, si on veut, on peut en mettre une. Voilà, ça s'ouvre comme ça. J'ai fait exprès de ne pas mettre les cartes qui correspondent à la couleur de l'enveloppe. Voilà, c'était mon petit délire de dépareiller. Et je me suis amusée. Ah, donc j'ai mis les fameux. Je les ai rigidifiés. Hein. J'ai collé sur du carton. Et voilà. J'ai mis les fameuses roses des vents qu'il y avait dans le bloc craft. Et voilà, je me suis amusée à faire un montage. Donc vous avez la toile de jute, deux petits éléments en bois. Ça, c'est Action, ça on avait eu chez Nose. Ça, j'ai dû avoir chez Action, un petit hippocampe. Là, j'ai fait un tamponnage sur un fond blanc-bleu, voilà. Enfin, crème bleue. Parce que je voulais qu'on laisse le blanc là qui tranche, qui fasse bien la délimitation de la carte crème. Les coquillages. Là l'aspect écaille et un petit tag à la mer, et donc après ils sont tous montés comme ça en fait, mais ça permet de mettre 1, 2, 3 photos, voire rappelons que c'est des pochettes. Ah bah,
crois que j'arrive à les rouvrir. Ah ben, voilà, je fais tout tomber. J'ai pas de place autour de moi, j'en ai marre, plus le temps que je le dis. J'ai des cartes, j'ai tout qui est tombé. Voilà, je fais une pause, ça m'énerve. Voilà, ça ne tombera plus, c'est rangé. Ensuite, la deuxième cartoon qui, elle, était faite avec deux tampons étoiles de mer que j'ai dû avoir dans un truc action, parce que j'ai plusieurs tampons sets de mer comme ça, mais je suis plus à faire des montages vintage en général avec. Et là, on a à la mer. De nouveau, le petit tag. Et puis, ben, toujours le montage. On retrouve la rose des sables bleue, hein, qui était comme ça à l'origine fournie dans le truc action. On retrouve un bout de nacre. Alors ça, c'est des nacres que j'ai eu chez Aldi, à côté de mon travail. Il y avait plein de gros coquillages. Il y a un pot de gros coquillages ben, qui m'a servi à faire le pompon. Et voilà. Eux, ils mettent que c'est pour la décoration dans des pots. Moi, je vois pas trop ça dans un pot. Je comprends pas trop. Donc, du coup, voilà. On a là. On l'a là. Avec une petite grappe de coquillage. Voilà. Ensuite, on a celui-là. Alors là, c'est un grand tampon que j'avais eu chez Ali. Je pense que c'est AliExpress que je suis là. Mais voilà. J'ai remis la roue de bateau qui est déjà sur le tampon. Mais en plus, elle fait pile poil la roue du tampon. Donc, j'ai remis, je l'ai remise là. Un peu de colle sur le nez. Oui. L'hippocampe bleu, la rose des sables, la petite étoile de mer nacrée. Voilà. Je trouve que ça fait très joli. Et je ne sais pas si je me suis coupée dans ce que je vous lisais, en fait. Dans ce que je vous disais tout à l'heure. On peut remettre, vu que c'est un truc de pochette, parce que comme j'ai tout fait tomber, on peut remettre encore des cartes et des photos derrière, en fait. Vous voyez ? Alors, bien sûr, d'avoir fait des épaisseurs sur les cartes fait que ça prend l'épaisseur aussi sur la petite pochette. Mais là, rien ne nous empêche de continuer de mettre derrière, sur le aplat, d'autres photos, en fait, de glisser d'autres photos. Et puis, je me suis amusée à décaler toutes les... Donc ça, c'était la numéro 3, on a vu. C'est la roue. Et là, c'est pareil. Ça, c'est un tampon action avec d'une bouteille à la mer. Voilà, ça c'est, je me suis amusée, pareil, dehors, avec de la peinture métallisée, bleu foncé, bleu clair, et la gesso blanche, voilà. Et je trouve qu'il a son charme, il est tout simple. Si jamais vous voulez que j'en fasse un tuto, mais c'est rien de plus que 4 enveloppes, hein, que je colle entre elles, que je coupe, et que, voilà, quoi. Après je m'éclate avec les cartes, je trouve qu'il est... beau, simple. Bon, il prend plus de temps en fait à faire à coller des cartes avec des tampons, des choses comme ça, mais voilà, le pompon est suffisamment lourd pour maintenir l'album fermé quand on fait les tours de ficelle, pour le mettre, parce qu'il a de l'épaisseur, je vous conseille de rentrer par la fin, en fait, enfin la fin, par le haut du pompon qui est tout fin, et donc après glisser les choses, c'est très facile. Et après, il faut resserrer, et voilà, vous voyez, ça tient du fait du poids du pompon. Et franchement, je le trouve très réussi, alors qu'au départ voilà, j'étais pas motivée. Je me suis dit, tiens, tu sors dehors, serait bien que tu scrapes, mais bon, tu peux pas sortir tout ton matériel, même si j'étais à la maison. Pour une fois, j'étais pas chez mes parents, j'étais dans mon terrain. Je me suis dit, oh, je ne vais pas tout sortir à chaque fois, enfin, les encres, ça va sécher, machin, donc il faut que tu trouves quelque chose à faire de simple, et avec, donc je vous dis, les 4 cartes que j'ai rangées, les 4 cartes bleues au départ, à l'origine. Voilà. Bah, dites-moi ce que vous en pensez, s'il vous plaît. Après, si vous pouvez refaire un tuto, à l'arrière, je peux le... Il n'y a pas grand chose, hein. Vous savez, c'est juste du montage. 4 enveloppes qu'on colle les unes aux autres, on les ouvre en haut et on met des cartes dedans. Donc c'est pour ça que ce n'est pas réellement un album. C'est une pochette album, souvenir de vacances à la mer. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. À bientôt, bisous.